Ah oui, je vous le confirme, madame. Je vous le confirme. En moyenne annuelle, hein, si vous prenez le taux de change en moyenne annuelle dinar-euro, la baisse n'est que de 7% en moyenne annuelle. Si vous prenez en fin de période, c'est-à-dire décembre 2017 par rapport à décembre 2016, effectivement, le dinar a perdu 15% par rapport à l'euro. Mais il faut quand même dire à nos auditeurs que ce n'est pas uniquement le dinar. Je regardais hier les monnaies du Venezuela. Oh, je parle même pas du Venezuela, je parle de l'Indonésie, je parle de la Turquie, je parle du Brésil. Toutes ces monnaies-là se sont dépréciées entre 10 et 15% par rapport à l'euro. Donc ce n'est pas uniquement le dinar algérien. Comme l'euro s'est apprécié par rapport au dollar et il s'est apprécié, et donc il s'est apprécié par rapport à toutes les monnaies de beaucoup de pays. Et donc il s'est apprécié aussi par rapport au dinar.